des sons. C'est agréable d'écouter des sons, parce que même si tout est calme autour de nous, il y a toujours un bruit quelque part que l'on arrive à entendre. Tiens, par exemple, si nous nous arrêtons là, maintenant, et si nous tendons l'oreille, qu'est-ce que nous pouvons entendre? Hé, est-ce que tu entends ça? Oui, c'est une goutte qui coule du robinet de la cuisine. Très bien, qu'est-ce qu'on entend encore? Oh, est-ce que tu entends ça? Oui, tu reconnais ce bruit? C'est ça, c'est un oiseau! Ah, j'aime beaucoup ce bruit-là. Oh, attends! Est-ce que tu entends ça? C'est la respiration. C'est toi! Oui, c'est le bruit que tu fais toujours, tout le temps, même quand tout est calme. Oui, parce que nous respirons continuellement. Moi, j'aime beaucoup écouter les bruits. Écoutez, c'est une cloche. C'est un lion qui s'approche. Un canard, un ronfleur, des petits pieds. Baladeur, c'est couac, c'est gris, c'est ronflement. Cette cloche qui sonne et c'est pas qui résonne. Quel joli son. Dans les rues, dans les airs, on dirait une chanson. Certains sons viennent d'en haut et d'autres d'en bas. Écoutez comme c'est beau tous ces sons à la fois. Écoutez, c'est la porte, c'est la poule. Un klaxon, un miaou, c'est Minou. Ça explose, ça vient d'où? Le chat, la porte qui grince, la poule. Tous ces bruits qui roucoulent, c'est une rivière qui coule. Quel joli son, quel joli son. Dans les rues, dans les airs, on dirait une chanson. Certains sons viennent d'en haut et d'autres d'en bas. Écoutez comme c'est beau, moi ça me met en joie. Quel joli son, l'oiseau qui s'envole et les pas sur le sol. Vous disent mais entrez donc, dans le guet-oubillon. De tous ces jolis sons, écoutez la chanson.